tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Il est plus petit que le dernier que j'ai fait, mais je suis très contente des trouvailles que j'ai fait. Donc, si vous aimez ces vidéos, on poursuit. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Salem de Stephen King en vieille édition, mais ça c'est pas quelque chose qui me dérange, avec les pages rigides, un signet intégré. Après ça, désolé mon chat essaie de passer derrière. J'ai acheté Charlie de Stephen King avec la même édition et le petit signet intégré. Les pages couvertures sont rouges. Je vais vous montrer. Rouge comme ça. J'aime ça, des pages rigides. Mais c'est pas ce que j'ai le plus. De un, ça se brise moins vite. Mais quand j'achète neuf ou même usagé, j'ai pas toujours le choix. On va continuer. J'ai acheté Brume de Stephen King avec le signet. Celui-là, le signet est un peu magané, mais ça reste que c'est un bon livre pareil. Puis j'ai acheté les Tommy Knorr comme ça, avec beaucoup de pages aussi. 600 environ, le petit signet encore, la même page couverture. Stephen King, Les Portes des Ténèbres. Avec le même signet, celui-là, il n'a jamais été lu, il est neuf. Il y en avait un autre aussi dans mes cinq livres que je vous ai présentés qui était neuf, mais j'ai bougé le signet pour le mettre à première page. Puis, c'est Salem. Tous les livres dans ce book haul-là, c'est toutes des trouvailles que j'ai faites en usager sur Marketplace. Fait que je suis contente. Après ça, j'ai les quatre livres de Twilight. La Fascination, qui est quand même une bonne brique lui aussi. Il y a 521 pages. Mais les pages couvertures, je les adore. C'est tellement beau. $570 pour La Tentation. Hésitation. 615. J'adore les petits détails. Et le plus gros, et non le moins, La Révélation, avec 720 pages environ. Attends. Oh non!
Mais ça, c'est normal qu'il soit plus épais parce que le film il a été fait en deux parties. Parce que sinon, ça serait trop long. Donc, c'est mes 9 trouvailles en usager. Puis, on se revoit dans un...